Moi, quand je m'occupais d'histoire, nous étions presque une génération spontanée. On nous disait que le nègre de grande taille n'était pas un indigène de l'Afrique. Et ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. Et quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné, ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte pour ce que je cherchais. C'est le fil conducteur, c'est la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait. C'est cette conscience historique qui est le ciment, qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien. C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer, restaurer.